Bon, comme tu sais, j'ai commis un certain nombre de choses tout à l'heure pour t'aider. Alors là, tu vois, c'est mon dernier fichier de... Voilà, donc là, je commis toutes les modifications qui ont été faites, plus évidemment le README. Donc je vais commiter tout ça. Last changes. C'est un point de tag. Donc pour voir ça dans mon git log, évidemment. Que j'historise aussi mon git log. Je suis obligé de le faire en double, ce qui est un petit peu con, mais c'est comme ça. Git log tout. Donc je vérifie bien sûr que mon statut est pertinent, sauf que ma branche master sur le dépôt dont je vais te donner le lien par mail et sur lequel, enfin derrière lequel je vais te donner un répertoire de travail pour toi. Et donc c'est ça que tu n'avais pas vu, c'est comment on fait un push. Donc la première fois il faut le taper en entier, hein, faire git push origin master. Là comme c'est pas le premier, j'ai pas besoin de le faire. Et donc là, bah, ça ressemble à n'importe quelle copie de fichier de synchronisation. Et ça affiche évidemment un numéro d'ordre sur quelle branche, combien il y a de modifications, etc., etc., etc. Voilà, donc je t'envoie tous les éléments. Tu verras que, évidemment, l'essentiel des modifications sont dans le répertoire force. J'ai créé dedans des sous-répertoires dont les noms des répertoires correspondent aux noms des sites sur lesquels j'ai pris des exemples. Je me suis assuré de ne prendre que des exemples pour lesquels les auteurs ont mentionné qu'ils étaient effectivement OK pour partager leur code de façon tout à fait publique. Tu feras attention, il y en a certains, bon de toute façon tu ne seras pas concerné puisque tu ne publieras jamais, mais certains auteurs précisent bien que ils acceptent qu'on donne leur code, etc., qu'on réutilise leur code, à condition, bien entendu, de copier certains éléments textuels qu'ils ont fournis, un petit peu comme une licence, sauf que c'est simplement sur l'honneur, on s'engage à citer le texte que eux-mêmes ont produit et signé en accompagnement de leur source code. C'est tout à fait logique et c'est la moindre des choses de respecter ça quand on nous le demande. Je crois aussi que depuis la dernière petite aide que je t'ai envoyée, il doit aussi y avoir deux ou trois nouveaux codes côté langage C, et il doit y avoir un nouvel exemple côté assembleur. Je pense que je ne te l'avais pas encore donné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao !